صل على محمد وآل محمد. الفاتحة إلى أم البنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وتقي الخيرين وعن الله عليهم اجمعين. C'est que c'est un sujet informel, il n'y a pas quelques. Disons, il y a 4 ou 5 points, dont des points qui concernent la jurisprudence. Donc il n'y a rien de. Vraiment de. On essaye de structurer un peu, Inch'Allah. Avant ce sujet-là, de quelques points de jurisprudence, il y a un point important, car vous savez très bien qu'il y a un Dajjal al-Kaddab qui a prétendu que pourquoi il a voulu appeler nos seigneurs Imam Mahdi. Et finalement, il a dit, vous, un groupe qui pense que Fatima Zahra. On va parler un peu sur Fatima Zahra. Vous savez très bien que tout le monde entier, en vérité, tous les chiites, on peut dire, sont rassérines vis-à-vis de Fatima Zahra, même les plus grands chiites. Donc tout ce qu'on peut dire sur Fatima Zahra, il sera toujours un manque, en vérité. Avant même de parler de cela, on devrait peut-être se rappeler de la hiérarchie des infaillibles. Donc en premier lieu, comme vous savez, donc par ordre de supériorité, bien sûr, parce que tout provient de tout, de lui-même, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc après, tout de suite après lui, dans l'ordre de la supériorité, tout de suite après lui, donc supérieur aux autres, c'est l'imam Ali alayhi salam, puis après Fatima Zahra alayhi salam. Et après, la Hassan ibn al-Hussein, souvent on néglige, mais dans les hadiths, l'imam Hassan, il est supérieur à l'imam Hussein. Après, on me dirait, oui, mais par exemple, l'imam Hussein, il est Qatil al-Abarat, ça veut dire celui dont les pleurs, c'est-à-dire le tué, qui amène des pleurs, ou bien d'autres choses qui appartiennent au secret de l'imam Hussein, par exemple concernant la ziyarat de l'imam Hussein, l'imam Sadiq, il dit que même si. On est en danger de mort, c'est la seule ziyara, on doit essayer d'y aller. Alors que pour les autres ziyara des imams, si il y a un risque pour nous dans la route, ce n'est pas obligatoire d'y aller, mais l'imam Hussein il a cette particularité. Malgré cela, l'imam Hassan, d'après les hadiths, il est supérieur à l'imam Hussein. Mais malheureusement, il est délaissé par les chiites. Si vous voyez le martyr de l'imam Hassan, il n'y a personne. Pour l'imam Hussein, des grandes cérémonies. Et l'imam Hassan, il est négligé. Par exemple, si vous regardez, souvent l'imam Hassan, même si à l'époque, il disait Assalamu alayki adilat al-mu'minin, oh celui qui humilie, qui a humilié les chiites. Bon, bien sûr, pas les véritables chiites, mais à l'époque, comme il y a eu une division, et comme il a fait le traité de réconciliation avec Muawiyah, l'Ardentoubah Ali, beaucoup de chiites le voyaient comme un traître. Il disait celui qui a humilié les croyants. Mais en réalité, s'il n'y avait pas l'imam Hassan, qui a commencé à dévoiler à travers ce traité de paix, puisque Muawiyah n'a rien à respecter, il n'y aurait pas eu la révolte de l'imam Hussein, alayhi salam. Donc, l'imam Hassan, alayhi salam, quoi qu'il arrive d'après les hadiths, même si on a l'impression, voilà, l'imam Hussein, on dit, oh, il a fait le djihad, tout ça, il a joué son rôle, l'imam Hassan. D'ailleurs, alayhi salam, d'ailleurs, il faut savoir que dans les règles de l'imama, l'imam Hussein, alayhi salam, il était présent. Et quand il y a deux imams en même temps, nos imams nous disent, il y a un imam qui parle, Nahater, et un imam Sam, ça veut dire l'autre, il ne parle pas. Et l'imam Hussein suivait exactement, il n'a pas dit à mon frère, il a pas dit mon frère, pourquoi tu ne comprends pas Muawiyah? Non, il s'est tué, il savait très bien que c'était ce qu'il fallait faire à ce moment précis. Et malheureusement, encore une fois, l'imam Hassan, il est délaissé. Donc voilà, on continue dans la hiérarchie, l'imam Hassan est au supérieur à l'imam Hussein. Puis après vient le vengeur de l'imam Hussein, alayhi salam, l'imam al-Mahdi, qui est donc
inférieur donc au Halel Kissa. Le Halel Kissa, comme vous savez, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Fatima Zahra, l'imam Ali, Saint-Nicolas Hussein. Puis après, dans l'ordre hiérarchique, donc l'imam Zain al-Abidine alayhi salam, il est supérieur à l'imam Baqir, jusqu'à donc l'imam, on ne va pas citer tout, jusqu'à l'imam El-Hadi, et après qui est supérieur à l'imam Hassan Askari alayhi salam, et ça s'arrête là. Donc pour dire déjà que Fatima Zahra alayhi salam, dans la hiérarchie, elle est supérieure à l'imam Mahdi. Et après, il y a un hadith qui est reconnu par tous les, même chez les mukhalifines. Bon, bien sûr, ça veut vouloir dire surtout peut-être d'autres sens. Mais par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait Fatima, Umrabi, la mère de ton père. On explique des fois ça d'une manière extérieure, malgré qu'il doit avoir sûrement des sens ésotériques. Comme quoi, Fatima Tazara alayhi salam, elle s'occupait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la disparition de Khadija alayhi salam, et même après, donc au moment où par exemple les mouchriquines mettaient des excréments ou bien des panses d'animaux, des intestins, des choses comme ça, de chameau ou autre sur lui, pendant qu'il faisait la prière, elle s'occupait de lui, même s'il était blessé ou quoi que ce soit. Mais ça reste quelque chose d'extérieur. Après, pour aller plus profondément dans ce sujet, il y a Hadith al-Qudsi. Bon, bien sûr, je ne peux pas vous expliquer ça. C'est quelque chose d'un secret. Même si là, dans ce cas, on pourrait comprendre que Fatima Zahra, alayhi salam, dans ce Hadith, elle est supérieure au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et à l'imam Ali. Allah Azzawajal, il a dit dans Hadith al-Qudsi, Lola ma khalaq al-aflaq. C'est-à-dire, si tu ne. En parlant au prophète Mohammed, si tu n'aurais pas été là, tu n'aurais pas créé le firmament, les cieux et la terre et autres. Il continue. Lola Ali, ma khalaqto. Ça veut dire, si j'aurais pas créé Ali, j'aurais pas créé le prophète Mohammed. Lola Fatima, ma khalaqto. Ça veut dire, s'il n'y a pas eu Fatima, alias salam, je n'aurais pas créé ni Ali, ni le prophète Mohammed. De toute façon, c'est la même lumière. Après, c'est pas moi qui va pouvoir expliquer cela. Peut-être qu'on peut être négligent. Et un autre point important, c'est que souvent, le terme Fatima alayhi salam, on dit dans le Dua, qu'on dit Ya Fater, en invoquant Allah, donc au Créateur, vers après Fatima. C'est-à-dire que Fatima Tazara alayhi salam, elle est reliée à l'attribut du Créateur, Allah Azzawajal. Puisque bien sûr, Fatima Tazara, elle est la mère des infaillibles. Bien sûr, il y a d'autres secrets que je ne peux pas dire que je maîtrise. Il y a Dora aussi. On dit Barqe Zara ou Abiha, donc pour le père. Barqe Zara ou Abiha. Ou Baloha, c'est-à-dire par son mari. Balo, c'est le, on pourrait dire l'homme, c'est-à-dire qui rend. C'est surtout ça. On dit. Trouver un hadith qui dit c'est-à-dire que la femme tabarou le jourien, c'est-à-dire qu'elle rend homme, c'est-à-dire la femme elle doit faire une manière de rendre viril l'homme. Donc tabarou, ça vient de ça. Walba Bertrand Zara Wabiha Wabaloha Wabanoha, donc par ses fils, Wassir al-Mustarodafira, c'est-à-dire le secret qu'il y a. Parce que normalement, le secret de Wujud, de l'existence, c'est Fatima Tazara, alayhi salam. Donc, tout provient d'elle. Tout a été créé avec le nom de Fatima Tazara, alayhi salam. Et après, voilà. Dajjal al-Kaddab, il dit, l'imam Mehdi, c'est bien d'appeler l'imam Mehdi, mais Fatima Tazara, alayhi salam. Pourquoi? Vous savez très bien que même nos ulama dans les livres de croyance, ils ont délaissé Fatima Tazara. S'ils parlent de quand ils vont décrire, donc vous savez très bien, bon moi au début ça commence avec l'unicité d'Allah, on parle de la prophétie, de l'Hujja, même si en vérité dans les livres de hadith, l'Hujja c'est en même temps Nubuwwah ou l'Imama. Et après on se limite à parler des imams, mais jamais on parle de Fatima Tazara alayhi salam dans le livre de croyance. C'est comme si elle n'a pas de rôle.
C'est juste pour donner quelques points. Après, il n'y a pas quelque chose d'autre à dire en plus. Après, vers la fin du discours, on reviendra à Fatima Tazara. J'ai quelques points à dire sur le Salat Jamara dans le Fiqh. Ce n'est pas ici, c'est pas question qu'on a fait ça comme ça ici. Mais il y a des problématiques, même dans le Salat individuel, qui est fréquente. Par exemple, une chose qui concerne individuel, qui ne concerne pas Jamara, mais qu'on néglige très souvent. Il y a une règle dans le Fiqh qui dit quand la langue bouge, le corps il ne bouge pas. Ça veut dire que dans tous les dhikrs, on ne doit pas être au mouvement. On ne peut pas dire Allahu Akbar en bougeant, comme les mukhalifines font. Mais malheureusement, énormément de chiites font cette erreur. Des fois par inattention, ou bien en ignorant totalement ça. Et le pire, c'est que je trouve, moi, beaucoup de chouyours qui dirigent la prière, ils font cette erreur. Normalement, on doit faire, comme par exemple tout à l'heure le frère Zakaria l'a fait, il fait toujours, Alhamdoulilah, il a appris avec un professeur bien, il dit Allahu Akbar, et après il bouge. Ou bien par exemple, s'il veut dire, tu peux dire Allahu Akbar quand tu es en roukou. Une fois que tu es en roukou, chaque mouvement, seulement le mouvement qui est autorisé, c'est quand on dit Bihaulillah yaqwati yaqwamakout, ou là on bouge. Sinon, jamais on doit bouger. Et ça, c'est une chose qui améliorera notre salat. Un autre point aussi, dans le salat Jamara, normalement, vous ne devez pas suivre le premier rang, ne doit pas suivre, pour le premier takbir, ne doit pas suivre l'imam qui dirige. Pour commencer votre salat et dire le takbir, vous devez suivre celui qui est derrière. Le premier, ça veut dire celui qui est juste derrière l'imam. Lui, il dit takbir. Et là, après, le premier rang, il dit takbir comme ça. C'est recommandé. Donc après, il va s'étaler. Et c'est recommandé pour le deuxième rang d'attendre que le premier rang a fait takbir. Il y a un autre problème que récemment, hier, un frère, j'ai discuté avec lui, et il a fait une erreur qu'on néglige souvent aussi. Quand on est en position debout, donc on est en train de prier avec l'imam, donc en position de qiyam, quand il récite le Coran, on ne doit rien dire. Ça, dans Sob, puisqu'il va faire Vaout, le Marlob et l'Aïcha. Par contre, le Dor et le Ras, tu ne récites pas, mais c'est recommandé que tu fasses Dekr. Par exemple, tu dis Subhanallah, ou bien Alhamdoulilah, pendant qu'il récite. Tout ça, c'est des choses qui améliorent notre salat. Et dans le Kunut, donc là, on récite ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de suivre la personne qui fait le kunut. Soit on l'écoute et on répète, puisque là, ça ne suffit pas. Le seul moment où on ne doit rien dire, c'est uniquement dans le qiyam. Après, dans les rukous, dans le rukou, dans soujoud, etc., on doit dire le dhikr normal. On peut dire un peu avant lui, ce n'est pas un problème, mais c'est mieux de suivre l'imam avant. C'est-à-dire que s'il a dit avant, s'il n'a pas encore dit Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, on attend, ou bien il est en train de faire tachaoub, on essaye de suivre en même temps que lui. En étant déconseillé, parce qu'il y a certains djamara, bon ici c'est pas le cas, où on élève la voix, alors que normalement on doit écouter celui qui parle, c'est-à-dire devant. C'est pas en même temps où on répète ensemble, Ashhadu Allah, tout ça en groupe, c'est quelque chose qui n'est pas très correct. Ça c'est quelque chose, un point qui était de salat djamara. J'ai pas grand chose à rajouter. Il y a d'autres problématiques, mais ce n'est pas le. C'est quelque chose qui est fréquent. Il y a eu un problème il y a 2-3 jours avec des gens sur un problème de rossol. Comme vous savez très bien, chez nous, quand quelqu'un est mort, si on le touche avant qu'on a fait rossol al-mayyit, on doit faire nous-mêmes un rossol qui s'appelle mas al-mayyit. Le fait d'avoir touché le cadavre avant qu'il ait été lavé, tu dois faire, pour te revenir dans la purification, comme quand tu fais le janama, on doit faire un rossol pour pouvoir revenir faire notre prière et nos actions qui sont obligatoires. Sinon, on ne peut pas rester comme ça. Si on ne fait pas de rossol, notre salat est invalide en ayant touché. Donc après, il y a d'autres problématiques qui a été dites. Et là, on va parler généralement sur les rossols. Donc il m'a dit, la personne, il m'a dit, mais dans ce cas, est-ce que je dois faire l'odo avant ou après? En réalité, il y a des problèmes dans les rolamas, dans ça. Après, on me dira, oui, mais on doit suivre les hadiths. Même dans les hadiths, il y a des problématiques. C'est pour ça qu'il y a des divergences dans ces sujets-là. Pour certains rolamas, le seul rossol on n'a pas besoin de faire l'odo, c'est le rossol de Janava. Ça, c'est un premier avis. Pour d'autres rolamas, les rossols obligatoires. Par exemple, tu fais pour la femme qui a ses menstrues, si elle fait, pour sortir de ses menstrues, elle fait le rossol,
elle n'aura pas besoin de faire l'eau d'eau après. Après, il y a d'autres avis au corps qui parlent des rossols recommandés qui sont écrits dans les Rissala Armalia. Par exemple, le rossol du jour du vendredi. Par exemple, le rossol du jour du vendredi, comme il est bien cité, donc il est dans les hadiths et il est décrit dans les Rissala, ceux qui sont marqués dans les Rissala quand ils citent les rossols recommandés, c'est ceux qui ont été argumentés par les hadiths. Donc là, ils te disent, tu n'as pas besoin de faire l'eau. Mais tout ça, c'est pas tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un, normalement, il y a certaines personnes, il dit que le rossol vient là-bas. Donc là, pour ces rossols recommandés, pour certains relamas, il faut revenir à ce que disent les relamas, il n'y a pas besoin de faire l'eau. Maintenant, est-ce qu'on doit faire l'eau avant ce rossol recommandé ou après? En vérité, on peut le faire avant ou après, ça ne change strictement rien. Mais par exemple, si on a les cheveux mouillés ou autre, il faut attendre qu'ils sèchent pour que tu puisses faire le rossol. Donc normalement, il faudrait faire le rossol avant. Après, il y a d'autres rossols que par exemple, rossol, vous faites, ou quelqu'un il a fait un grand péché, il doit faire rossol le taouba, c'est recommandé. Mais ce rossol n'est pas marqué dans l'épître de jurisprudence. Donc là, ils nous disent que là, il faut faire l'eau d'eau. Ça, pour tous les relamas, c'est pareil. Donc tout ça, il y a des divergences. Ça, pour rappeler ces problématiques-là de rossol, donc il faudrait revenir. Si quelqu'un y fait une précaution, par exemple, il doit considérer qu'il n'y a que le rossol de Janaba, ou il pourra s'abstenir de faire l'eau d'eau. Sinon, dans tous les cas, il faudra qu'il fasse des ablutions. Il y a maintenant, on peut parler à peu près, on est situé où maintenant. Donc hier, c'était le martyr de l'imam Reda, alayhi salam. Donc normalement, on pourrait être le 30 ou le 1er. Même si d'après certains hadiths, Muharram, il y a toujours 30 jours. Il y a des hadiths dans Madani Rolfapri de Shir Sado, où il est déterminé pour 5 mois qu'il y a toujours, par exemple, Ramadan, il y a toujours 30 jours. D'après, là on n'est pas en train de parler des fatwas des ulama, on parle des hadiths. Maintenant il y a une problématique importante sur la lune, c'est que normalement de la même manière qu'il y a le taqdir d'Allah, c'est-à-dire le calcul précis d'Allah, qu'il a tout fait par ordre, la lune c'est pareil. On ne peut pas dire on regarde et on ne sait pas. Normalement il est évident qu'il y a toujours la même chose. C'est pour ça que les scientifiques, il peut même déterminer, parce que nous on dit qu'on se base sur la vision de la lune à l'œil nu, ils peuvent même déterminer quand apparaît la lune à l'œil nu. Puisque normalement, par exemple, si elle arrive à 15h aujourd'hui, normalement elle sera visible le lendemain. Il y a une autre chose que vous, bon, surtout les frères qui connaissent Shir Rozi, ils insistent beaucoup sur ça, il en a parlé plusieurs fois dans plusieurs leçons, il n'y a qu'une seule lune. Après, on peut parler de oui, mais en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, s'il apparaît en Amérique du Sud, après, il y a un décalage d'horaire, comme vous savez, Amérique du Sud. Donc là, pour avoir l'horaire, comme normalement, on enlève du temps, donc il faut regarder le décalage. Mais normalement, on arrive le même jour. Bon, des fois, certains, c'est vrai qu'il y a 24 heures, suivant que tu dépasses, je crois, c'est 12 heures maximum de décalage, non? Qu'est-ce que tu dis, frère? Les décalages d'horaire, ça arrive à combien au maximum? Je pourrais pas te dire. Je pense que c'est 12. El Moïm, logiquement, il n'y a qu'une seule ligne. Et nous avons dans Saïfa Sajidia de l'imam Zain al-Abidin alayhi salam, un doura qui parle de la lune, qui parle d'une lune. Donc s'il y a des trois jours, il y a des problèmes. Après, il y a des problèmes d'ijtihad, mais parce que la Reibat l'imam, et il n'y a que l'imam qui sait. Et Inch'Allah, on espère qu'on trouve la nuit de Qadr au moins une fois dans notre vie. Peut-être on n'a jamais trouvé avec ces problématiques-là. Ils nous disent, on fait comme ça l'Aïd. Finalement, il y a trois jours. Moi, je me rappelle, je ne sais pas Jean s'il était ici à l'époque, mais je me rappelle bien un mois avant, dans les années 90, le Shira, ils faisaient tous en même temps. Moi, je parle pour la France, par exemple. Je ne sais pas en Belgique comment ça se passait. On n'avait pas ces problématiques-là. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi on est arrivé là. Peut-être Fitna, Akhar Zaman. Je ne sais pas c'est quoi le problème.
Toujours est-il que même dans Allah Azzawajal, il a dit quoi? A'udhu billahi sami al-alim min ash-shaytan rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, inna anzalnahu fi laylat al-qadr. Il n'y a qu'une seule. Laylat al-qadr, il n'y en a qu'une seule. Donc c'est une seule nuit. C'est pas trois, c'est pas trois, trois jours ou je sais pas comment, trois jours, six jours. En vérité, si on veut vraiment sortir de ça, et on n'a pas la capacité tous, combien de jours il faudrait? Par exemple, on est le 19, certains ils ont dit le 19, l'autre il dit non, on est le 17. Donc finalement, pour pouvoir être sûr de tomber Laylatul Qadr, et on n'a pas tous la possibilité, ou bien faudra faire irtikaf dans une mosquée, on n'a pas de mosquée malheureusement, ou bien peut-être ici, on fait même comme il y a des irtikaf, on reste, quelqu'un reste 10 jours ici. Peut-être il va tomber sur la nuit Qadr. Sinon on est sûr de rien. Tellement une fitna. C'est vraiment quelque chose. Bon, après nous, on a hadith des imams alayhi salam qui dit que les mukhalifines, la muwafaq, depuis le meurtre de l'imam Hussein alayhi salam, la muwafaq, ils n'ont jamais la muwafaq al-hilal, ruyat al-hilal, walaïd. Donc forcément, ça tombe en même temps que les mukhalifines. Mais il y a un article qui est paru dans la presse française, et ça, on peut se poser beaucoup de questions, qui parle de la mosquée de Paris. Donc chez nous, en France, généralement, la mosquée de Paris. Bon, après, ils sont rentrés dans des problèmes de conseil du culte, mais normalement, c'était toujours la mosquée de Paris. Donc en vérité, le consul algérien, parce que tout le reste, c'est un spectacle, ils appelaient l'Algérie et ils déterminaient la Lune. Ils ont calculé, les scientifiques en France, ils ont vu qu'à chaque fois, on s'est trompé des fois de 2 jours. Je parle pour les mukhalifines. Est-ce que nous, on ne peut pas se tromper? Je ne sais pas. Il y a ça, il y a des amans, il y a des amans, il fait un des amans. C'est que ça qu'on peut dire en vérité. Donc pour vous dire quoi, donc c'était pas pour parler de ça, j'ai donné cette truc, j'avais prévu de parler de ce problème de lune. Donc aujourd'hui, donc normalement, on est le premier Rabi al-Awwal. Il faut faire très attention. Pourquoi? Moi je me suis retrouvé il y a 2-3 ans en arrière, dans un centre, on va pas citer où, ça sert strictement à rien. Et dès qu'arrive le premier Rabi al-Awwal, qu'est-ce qu'il nous dit? Ils nous disent, c'est le mois de la fête, les mariages, l'Aïd et tout ça. Alors que normalement, c'est très grave. Pourquoi? Que s'est-il passé? Le 28, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé martyr. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 2 jours, ils ont discuté sur sa préfa Bani Saïda. On arrive le premier. Et après, qu'est-ce qui s'est passé le 2? Ou bien le 2 ou le 3? Au Jum Bayt al-Fatima, alayhi salam. Et le jour de Bayt al-Fatima, où ils ont attaqué Fatima Zahra, j'étais dans un centre, il a dit c'est la naissance, et si c'est les imams, le mariage. Je lui dis mais aujourd'hui c'est au Jum Bayt al-Fatima. Il a rigolé. Moi-même, il a rigolé. C'est-à-dire on est fou. On est fou. C'est-à-dire nous on est fou. On lui dit au Jum Bayt al-Fatima, il dit c'est mariage. Parce que pour vos traditions, alors qu'en réalité, normalement, le 8, c'est le Shahada de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Là, vers le 6 ou le 7, si je ne me trompe pas, ça va être le martyr de Fatima Marsoumé, la sœur de l'imam Reda. C'est le martyr de l'imam Hassan Askari. Et après pour déguiser, par exemple, Shir Abbas al-Promi, il parle donc le 9, l'Aïd Zahra. Mais pour ne pas dire que c'est le jour où Omar il est crevé, l'Arnotullah Ali, il dit quoi? Il dit c'est un jour où on offre des cadeaux aux enfants. C'est taqiyya, hein. C'est compréhensible. Je ne dis pas, je ne précise pas, Shir Abbas al-Qurmi, on va aller, l'auteur de Mafati al-Jinan. Mais finalement, personne ne célèbre Aïd Zahra. Et c'est le jour où Fatima Zahra ou Al-Bayt, al-Salam, ils ont été contents. Après ce Taroud qui a été tué par le Mohamed Abu Lourlou, qui s'appelle Pirouz Nahavandi, pour en y aller. Donc, c'est un grand problème, on est complètement à côté de, on pourrait dire à côté de la plaque. Et la négligence vis-à-vis de Fatima Tazarla, alayhi salam, il faut faire attention, c'est-à-dire normalement on est en deuil jusqu'au 9. Rabbi et la roi. Wassalamu alayhi wa sallam, wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد